Bonjour tout le monde, ici Pika Bok PC pour un autre épisode de Ratchet & Clank, PS4. On joue sur la PS5 et on travaille de finir le jeu, j'ai l'impression. Après moi, je sais pas, you. De retour sur des planètes. Des planétisateurs, ou je sais pas comment t'appelles ça. Voilà comment on transforme une super arme en une arme démente. Je devrais essayer l'holo déguiseur avant de continuer. L'holo aiguiseur. L'aiguiseur. Je devrais essayer l'holo. Haut du corps inadéquat. Identification positive. Bienvenue, capitaine. À l'attention de l'équipage du déplanétiseur. Si vous voyez qui que ce soit qui n'a rien à faire là, merci d'appuyer sur le bouton « Tuer les intrus ». C'est le gros bouton rouge, celui qui ressemble à tous les autres. Il faudra qu'on fasse un effort pour le prochain déplanétiseur. Prépare-toi à être désintégré. Champ de désinfection activé. Je peux pas sauter, je peux pas rien faire d'autre. Ok. Vive le président grec! You. Bonjour, capitaine Quark. Vous avez l'air très héroïque. Alors est-ce que il faut que je les élimine? Je pense qu'il faut que j'attende que ça tourne. On s'amuse bien plus du côté des méchants, vous savez. C'est un baume, capitaine. C'est ça qui m'intéresse. Il y a bien une vie. Je pense que c'est le moment idéal pour déclarer que les armes que nous aimons en secret depuis toujours, même si le président...
Moi, je sais pour aller là. C'est la vraie question. C'est la vraie question que je me demande. Comment je fais pour monter là? On dirait que je peux faire de quoi? C'est vrai que je pouvais le faire depuis la première visite que j'ai faite. Il y aurait un bouton à quelque part. Il y a un bouton que je dois tirer dessus. Tu passes le bouton. On the wall. Pas trop sûr de savoir c'est quoi il faut que je fasse. Oh! My god, fallait le savoir. Désolé, pas d'autographe. Bonjour, capitaine. Ils arrivent. Oh, ok, ouais. C'est mieux d'être passif dans ce cas-là. Bienvenue, capitaine. Vous avez l'air radieux aujourd'hui. Bonjour, capitaine. Repéré.
ce robot. Pas de problème. La porte est verrouillée. Nous devons trouver un autre accès. Tainte, ouais. Identification positive. Bienvenue, capitaine. Un bouton seulement. Il faut juste que je m'occupe de lui. Il y en a d'autres. Que j'ai visé mal de même. J'aime la snipe. Il est là. Une nouvelle carte. On en a 5. Fort Kronthos a été conçu pour accueillir et protéger le canon défensif de la tour de garde, l'ionisateur le plus puissant de l'univers connu. Compte dans la salle justement avec le truc en haut. Je me demande comment nous allons faire pour aller chercher ça. Y a-t-il un bouton à quelque part? Ah, oh, attends, j'ai trouvé. C'était pas là avant.
On a toutes les bons. Donc là, on a... Attends, je vois les bonus que j'ai. En fer brûlant. Chrome plastique. On voit pas sa face d'ailleurs. Vert couac. J'aime bien en fer brûlant. Dan Jensen. The fuck is that? Peut-être le celui qui a fait le jeu, je sais pas. Aller de là-bas. Accès refusé. Identification positive. Bienvenue, capitaine. Une voiture? Ok, là, il me voit. Faut que Storm. Ça. Pourquoi je me fasse toucher? Oh God. Nous avons changé de pas. Que je pensais. Restauro saillant détecté. Tête, ouais! Putain, il y avait des gems, ça. Ton vat en guerre ne va sûrement pas s'améliorer tout seul, tu sais. Oh, c'est pas génial, le raritanium! Haut du corps, abdominaux ciselés détectés.
faut qu'on les empêche d'activer le champ de désinfection. Hop. Ils sont où? Ils arrivent dessus? Ok. Préparez-vous! Comment? Oh shit. Ok, on a réussi. Tu veux sortir, Primoz? Le projecteur indique la position du stabilisateur de gravité. On ouvre la porte à mon chat. Parce qu'il n'est pas capable d'ouvrir les portes. Ah, vilain minou. Vilain minou. Bon, un autre puzzle de même. Alors, je pense pas que celui du milieu, il faut l'activer. Fait ça même. Ça de même. Non mais là je pourrais pas. Oh là là. Là 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 là. Là. Non, je pourrais pas. À chaque fois que j'en mets un... Il va bloquer.
Mais lui, il peut faire celle-là. Faudra que j'y revienne plus tard. Je me comprends pas. C'est quoi piratage automatique? Bah, je crois que j'ai du blanc, là. C'est bon. On dirait que le stabilisateur se trouve dans le noyau du vaisseau. Attention, usage non autorisé d'un holodéguiseur. Oh oh, on dirait que l'holodéguiseur ne fonctionne plus. Hello. Jusqu'à la fin de la déplanétisation. Les appels et l'envoi de messages et d'holo-messages sont interdits. Elle est belle trop mort. Il y a de la vie là-bas. Pourquoi je suis jamé? Pourquoi je t'ai jamé? C'est stupide. C'est de chien! Est-ce qu'il y en a un? Oh, voyons donc! C'est ben trop de monde! Je risque que c'est mal fait. Ouais, mes cartes, j'ai des cartes. Le Phoenix. Puis j'essaie ici. T'as réussi à compléter une série. Cora. Impressionnant. Cora Vérolux est membre des célèbres Rangers Galactiques. À sa spécialité, trouver des ennuis et botter des fesses. Elle est née et a grandi sur la planète Novalis. Andrew Galactic, Ratchet & Clank. Sauf que sa planète est détruite. Les petits ont pas l'air d'avoir chier là.
What the fuck? Aïe. Je détecte quelques d'autres blagues dans la zone. Oh shit. Wow! Il y a des chiens! C'est bizarre! Oh mince! On a intérêt à trouver des nanotechs! Ouais, il y en a là. C'est violent. Qu'est-ce que tu fais? Je trouve que c'est des chiens de même. Sniper time! C'est un autre chien, ça? Je pense que j'ai tout éliminé. Qu'est-ce que j'ai pu voir? D'abandonner maintenant, on va les avoir. Cool. Hit mom. Il y a un paquet de cartes ici. Bon. Je sais pas aller là. Ah, attends une seconde. Un peu trop facile. Série complète.
L'usine de robots de guerre, Skark City, sur la planète Quartu, accueille plein de choses. La pollution, les ténèbres et beaucoup de Blark en colère. Mais ce qui les caractérise peut-être le mieux, c'est l'usine de robots de guerre qu'ils fabriquent. Tu l'aurais deviné, des robots de guerre. C'est aussi le plus grand producteur de gaz toxique de son système solaire. Il y a au moins une chose dont elle peut être fière. Mm-hmm. Sure. Station Jawo. On se détend, on se relaxe, on profite de la vie dans le pittoresque Station Jawa sur Pokitaru. On y vit à l'heure insulaire qu'on prend par là, pas de téléphone portable, pas de chaussettes et pas de soucis. Tendu. Comment je vais faire pour aller là? Un autre paquet de cartes maintenant. Oh, il y a d'autres ennemis. Upgrader la snipe, c'était une très bonne idée. À tout le personnel, un mémorial dédié à Victor von Ion a été érigé dans le placard à balai du pont numéro 7. Venez rendre hommage à cet employé respecté. 5 boulons à la porte. Dessus là. Vous pouvez y aller les gars, dirigez-vous vers le stabilisateur de gravité, on se met en position ici. Faites bien attention là-dedans. Ouais, essayez de pas mourir. Merci pour ton soutien Brax. Téléporter au hangar, pourquoi je dois aller au hangar? Ah, peut-être parce que... Non, j'y crois pas. Tu as assez pour améliorer le Vat en guerre. T'as fait le plein. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Il y a un paquet de cartes, ça, que j'ai pas pris. Oh là là, frère! Déçoit beaucoup. C'est peut-être la carte qui me manque. Le Telt V2. Et voilà. Là, on a le Telt. Là, on peut aller l'échanger. Diffuse une chanson qui sonne étrangement comme Night on Bald Mountain. Dans ce rocket. To the Nexus. On va aller voir ça. Est-ce qu'on va aller voir ça? En gros, on va... tourner dans notre vaisseau. Puis on va se téléporter... Je vais saisir nos nouvelles coordonnées. Allez, gars. Donc là, on va aller voir le gars plutôt douteux. Ah, oh, mon vaisseau, il est noir ninja.
On va regarder les différents formats de pour mon vaisseau. Avec les bonus. On a bolide. Moi j'aime celle-là. Puis on a analysé. Ah, j'aime bien bolide. Ok. Au cours, ça va bien plus vite. Hey, tu veux participer à nouveau? À trouver toutes les holocartes. Beau travail, champion. Le telt est ta récompense. Bouge pas de là, je vais chercher ma caisse à outils. J'ai plus qu'à attacher la tige d'induction, à recentrer les émetteurs et... voilà! Un telt tout neuf. Surtout, dis à personne que tu as ça chez toi. Bonne chasse! Oh god, c'est quoi cette affaire-là? Le symbole du TET, c'est ça? Okay. Regardez-moi cette gun-là! Nice! Il ne sert pas uniquement quand vous oubliez vos clés chez vous et avez laissé John et Pamela à fond. Non pas que ça me soit déjà arrivé. Ok. Donc là, on a le gros gun. Choisissons une planète. Qu'on risque de booster. Je sens que ça va faire mal, ce gun-là. J'ai hâte de voir le prochain Ratchet & Clank, comment il va être comparé... Oh shit... Ah. On va me battre encore. Salle de stabilisateur de gravité. Ok... Ranger, à vous. On est dans le noyau et on se dirige vers le stabilisateur de gravité. On ne devrait pas tarder à le désactiver. Bien reçu, Ratchet. Les turbo-aimants sont prêts et on est en position. On attend ton signal. Ça marche. Let's go. Ah fuck, y en a un qui manque. Et voilà, simple. Wow, y'a plein de raritanium. Scène bloquée, à cause que c'était une scène de film.
des améliorations. Oh, on se bat contre quoi? Bleu des grenades. Quoi? C'est comme ça que les vrais héros se battent. Pas mal. En fin de compte, je commence à regretter de ne pas avoir pièce de battre comme aventure. Un petit gros vitron, c'est cadeau. Bon, maintenant, ça suffit, capitaine. Le docteur Nefarious va à tout prix détruire le système. Je n'ai plus rien à te dire. Tu as gâché ma vie. C'est une façon que je peux éviter ça. Oh, je dois atteindre ce gros vitron. Ok, il faut que je le pète, ok. Allez, dis bonjour à mon nouveau copain, je m'attendais. Oh shit. On dirait. Où sont tes précieux nanotech maintenant, mon guet? Ok, j'avoue que c'est impressionnant. Y'a pas de vie quelque part? Regardez-vous enfin, je m'équipe avec les pires méchants de la galaxie. Je ne peux plus faire machine arrière. Il va falloir que je te fasse disparaître et que je reprenne le cours de ma vie pour que les habitants de Solana m'aiment à nouveau. Oups, ça. Tabarnak. Quel boss merdique! Je vais laisser me toucher pour le suspense. Un petit gros vitron, c'est cadeau. Bon, maintenant, ça suffit, capitaine. Le docteur Nefarious va tout. Comme ça, tu peux pas l'éviter, là. Je n'ai plus rien à te dire. Tu as gâché ma vie. Il pleut des grenades. Tu sais, tu peux pas rien faire. C'est ça que je trouve ça calme. Allez, dis bonjour à mon nouveau copain. Mais regardez-vous enfin, vous faites équipe avec les pires méchants de la galaxie. Tu sais, je peux pas rien faire. Il va falloir que je te fasse disparaître et que je reprenne le cours de ma vie pour que les habitants de Solana m'aiment à nouveau. Tu sais, je peux absolument rien faire. Là. Quand il fait ça là. Malade, Steve. Le boss, il est malade. Quand je t'aurai réduit à néant, j'aiderai les habitants à retrouver un village. Oh, wow. Je déteste son Groovitron. C'est de la crise de marde. Tu veux jouer de même? J'essaie d'avoir le bon gun, je suis pas capable. Ok. Un petit gros vitron, c'est cadeau. Bon, maintenant, ça suffit, capitaine. Le docteur Nefarious va tout détruire le système. Pourquoi tu veux que j'évite ça? À te dire. Tu as gâché ma vie. Tu sais, je peux rien foutre. Ah.
fait équipe avec les pires méchants de la galaxie. Je ne peux plus faire machine arrière. Il va falloir que je te fasse disparaître et que je reprenne le cours de ma vie pour que les habitants de Solana m'aiment à nouveau. Agent ravageur, attaqué! Même quand je t'aurai réduit à néant, j'aiderai les habitants à retrouver un foyer, un meilleur foyer, et je redeviendrai un héros dans leur cœur. Mais bien sûr que si, je suis une célébrité. Calice, comment tu veux battre ce boss-là? Il est stupide. Stupide. Un petit trou vitron, c'est cadeau. Bon, maintenant, ça suffit, capitaine. Le docteur Nefarious va à tout prix détruire le système. Je n'ai plus rien à te dire. Tu as gâché ma vie. Le décollage. Bonjour à mon nouveau copain. Attendez. Mais regardez-vous enfin. Vous faites équipe avec les pires méchants de la galaxie. Je ne peux plus faire machine arrière. Il va falloir que je te fasse disparaître et que je reprenne le cours de ma vie pour que les habitants de Solana m'aiment à nouveau. T'es malade. C'est pas un genre ravageur, attaquez. Quand je t'aurai réduit à néant, j'aiderai les habitants à retrouver un foyer, un meilleur foyer. Et je redeviendrai un héros dans leur cœur. La galaxie ne vous remerciera jamais pour un acte aussi stupide. Mais bien sûr que... On a eu. Je pense. Ok. Trahison. Trophée obtenu. Nefarious dans un estigo robot, puis il est pas content. Ça va être plaisant, ça. J'adorerais rester pour discuter, mais malheureusement, j'ai une étoile naine à détruire. Larry, on a un sérieux problème. Nefarious a complètement perdu la boule. Il va détruire l'étoile. Ok. J'adorerais rester pour discuter, mais malheureusement, j'ai une étoile naine à détruire. On a un sérieux problème. Nefarious a complètement perdu la boule. Il va détruire l'étoile. Tu dois l'arrêter, Ratchet. Si cette étoile... Voyons, j'ai fait haut, puis ça n'a pas rien fait. J'ai resté pour discuter. Mais malheureusement, j'ai une étoile naine à détruire. Hélaris, on a un sérieux problème. Nefarious a complètement perdu la boule. Il va détruire l'étoile. Tu dois l'arrêter, Ratchet. Si cette étoile explose, Umbris disparaîtra avec elle. Et nous aussi. Tu ne m'attraperas pas! Wouhou! Si vous aviez vu la tête de Drake, j'ai roulé cet imbécile dans la farine. Et pour couronner le tout, je l'ai transformé en mouton. Vu que t'es méchant. Abandonne l'ombache, ça ne sert à rien. Laisse-moi tranquille. Mais pourquoi tu ne
meurs pas. Je pense avoir le jetpack. C'est... Pourquoi tu es si pressé? Et moi qui croyais que tu tenais vraiment à être un héros. Si je veux, je peux mettre un terme à vos vies pathétiques. Et j'aurai encore largement le temps d'évacuer la station. Je serai aux premières loges pour voir la destruction. Extraordinaire, n'est-ce pas? Des supernovas artificielles. L'idée m'est venue quand Moisy s'est en prison. Wow. Pour se venger des rangers galactiques, que je t'y croyais vraiment que tu allais gagner. Passons aux choses sérieuses. Maintenant, pas... Ah, ok, joli coup, j'avoue. Non, je dois absolument me venger. C'est le moment de recharger. Voilà. Où est-ce qu'on en était? Il n'a pas besoin de ça, hein? Tu vois où le gun est trop puissant, peut-être? Wow, ok, je pense que le gun est très, très puissant. J'ai battu le boss assez rapidement. Ok. On a fini le jeu, je pense. On a fini le jeu! Yay! Après une heure, on a réussi. On va avancer ça, voir si c'est pas une scène de la fin, ou je sais pas. Même là, je pense que ça va être une scène supprimée, comme d'habitude. Je suis désolé, hein, pour les scènes supprimées, je pensais pas que ça aurait été quelque chose avec ce jeu-là.
Attends, t'as eu Final Fantasy VII Remake, qui avait le chapitre 8 de supprimé à cause de la toune. Tu as débloqué le mode défi. Tu as débloqué le musée Insomniac. Tu peux accéder au musée en utilisant le téléporteur dans le garage de Grimrot. Oh. C'est quoi le... Le garage de Grimrot? Le menu Insomniac, on va... le musée Insomniac, on va aller voir ça. Ouais, le tilt, c'est tellement un gun fort. Je suis prêt, il me faut juste des coordonnées. Dans le garage. C'est ça? Il y a un téléporteur dans le garage. Ça a l'air. Garage de Grimrot. Bon, je trouve ça, c'est une nouvelle game. Je sais pas là. Hey, tu as plein de raritanium. Viens me voir pour acheter. C'est lui Grimrot, pas mal. Peut-être New Game Plus qu'il faut que je fasse, puis... En tout cas, on va arrêter ça là. Merci d'avoir été là tout le monde, puis capiquez à tous, et à la prochaine.